pas ? Eh bien, salut tout le monde ! C'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi qui, une nouvelle fois, se déroule sur Nucleus. Écoutez, je ne trouve pas de partie, j'ai des difficultés à trouver des parties, et bizarrement, le jeu vient enfin de m'en trouver une, mais sur Nucleus, une map qui est pas si courante que ça. Ça, il se passe quoi là ? Oh putain, c'est déjà mardi tout, oh putain. Donc on se retrouve, mesdames et messieurs, aujourd'hui pour le défi de... Attendez, parce que là, je me fais un petit peu... Oh non, il y a un deuxième scout. Il y a un deuxième scout. Non, je me barre. Oh, j'ai déjà plus de balles. J'ai déjà plus de balles, Saras. On se retrouve pour le défi d'un abonné. Ah, bah voilà. Je disais donc, mesdames et messieurs, on se retrouve pour le défi d'un abonné, le défi de Opiu, j'espère que j'ai prononcé ton pseudo, Opiu007, qui m'a donné donc le défi de jouer aujourd'hui, mesdames et messieurs, scout, mais en utilisant uniquement le pistolet et le fanowar. Je n'ai pas le droit d'utiliser mon arme principale, voilà. Donc il faut que je fasse des kills uniquement avec ces deux armes-là, ce qui risque d'être plus facile à dire qu'à faire. Déjà parce que j'ai une précision absolument légendaire avec le pistolet, hein, comme je le dis assez souvent, 12 balles dans le chargeur, c'est 12 balles à côté. Voilà, et je suis mort. Donc du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que bon, le pistolet, vite fait, avec l'ingénieur, j'y arrive et encore, le scout, pas vraiment, je l'avoue. Et alors, le fanowar, c'est clairement pas pour moi une arme de choix. Et surtout, quand vous devez l'utiliser pour faire des kills, parce que le fanowar, il est bien parce qu'il marque à mort les cibles. Mais pour faire des kills directement, c'est autre chose. Et c'est certainement pour ça que, évidemment, cet abonné s'est dit qu'il allait me faire jouer avec cette arme. Et le problème, c'est que, moi, je suis tellement con que j'accepte le défi, mais... Je risque de pleurer du sang. Putain. Alors le plus gros problème en fait, c'est surtout que comme le fanowar inflige 75% de dégâts en moins par rapport à la batte de base, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Alors la meilleure technique que j'ai, c'est encore de frapper les gens avec le fanowar pour ensuite les leur tirer dessus avec le pistolet, parce que comme ça, ça les marque à mort, donc ça fait bien plus de dégâts. Oh, bah lui aussi joue fanowar. Non, non. Oh putain, dommage. Vous savez quoi, j'ai l'impression que leur équipe, à chaque fois qu'elle respawn, elle va surtout vers la gauche. Alors pourquoi pas essayer d'aller vers la droite. Oui, je sais, c'est un raisonnement de merde, mais écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, il faut essayer des trucs, il faut essayer des trucs. Y'a personne qui sort en même temps, c'est bon. Oh. Alors, on a eu le sniper. Par contre... Oh, merde, 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 j'ai... Non. Oh, j'ai... Oh, putain, le con... J'ai switché avec l'arme principale par... putain, dommage, dommage. Par réflexe, évidemment, parce que c'est un truc un peu con, mais... Automatiquement, vous avez le réflexe de sortir votre arme principale, surtout avec le scout. Parce que bon, le scout, c'est bien derrière le pistolet, mais c'est surtout l'arme principale qui va vous aider à faire des kills, surtout à courte portée. Mais évidemment, il ne faut pas le faire. Mais moi, j'ai eu malencontreusement l'idée de le faire. Et je me suis pris un shot des familles par un mec qui campe comme une grosse... Mais c'est pas grave. Voilà. Un russe en moins. Oh putain, ils sont tous sur le point, mais avec mon petit pistolet de merde. Voilà, en plus j'ai déjà plus de balles, c'est génial, j'ai une très bonne idée de spammer comme ça au loin. Ah merde, j'ai raté. Ah bah ça va, je l'ai tué quand même. Ah, je suis con, j'ai raté le fanowar là. Ah putain, il est passé en dessous. What? Attendez, vous avez entendu, il y a eu le bruit, ça n'a pas enregistré, mais vous êtes sérieux? Oh putain, ça n'a pas enregistré. Hop hop hop. Y'a moyen de se cacher en dessous, vous croyez? Ouais, c'est bon, ça a marché. Bon, on est reparti pour un nouveau round. On va essayer la même technique. Ça a l'air de plutôt fonctionner, donc on va... Oh, y'a un scout, y'a un scout. Et merde. Bon, au moins j'ai eu la 6. C'est un début. Oh, oh, le sniper couvert de lait, le sniper couvert de lait. Ah merde. Oh, bon, c'était pas mal, j'avoue que c'était comique. Le coup de fanowar et d'un coup il meurt, j'avoue c'était marrant, mais merde quoi. C'était mon kill. C'était mon kill, il y avait déjà mon nom écrit dessus. Voilà. Hop, lui au moins, on me l'a pas volé. On va repasser là. Putain, la crit... Oh, la crit dans la bouche. Oh, dégoûté. Dégoûté.
Ah ah, putain, y'a un mec avec un backscatter là derrière moi. Voilà, alors je sais pas, écoutez, il m'a tiré dessus avec son backscatter, puis d'un coup il était là en train de se demander quel était le sens de la vie, mais écoutez, moi je n'ai pas le temps de lui répondre, ou plutôt si j'ai le temps de lui répondre, à coup de pistolet dans la bouche, voilà, et on va descendre ici, oh le sniper, le sniper, le sniper, voilà, je me demande si c'est pas à chaque fois le même sniper, parce qu'ils sont deux, voire trois snipers en face, mais je crois que c'est toujours le même que j'arrive à choper comme ça. Ouais, le problème c'est que là, ouais, je peux pas faire grand chose de plus. Oh le scout, oh le scout. Ah, le scout se barre. Bon, on a eu le scout, c'est bien, c'est nice. On prend le kit de soins ici. Hop, on va. Oh! Voilà, on a eu l'autre sniper. Hop, on prend les munitions parce qu'on en a pas beaucoup, mine de rien. Hop, hop. Oh, là-bas, il y a le scout. Ah merde, j'ai raté le fanoir. Ah, putain, je me suis tout pris là. Le scout, le scout, le scout. Oh putain de... Oh mais je suis mauvais, hein. Ouh. Eh ben... Oh, il y en a un autre. Non, j'ai plus de vie. Non, j'avais plus de vie. Ah, dommage, dommage. Je domine quelqu'un pour ensuite me faire dominer. Eh merde. Ok, on est en train de se faire spawn kill. Je peux même pas sortir tranquillement. C'est génial. On va repasser. Oh putain, les deux scouts. Oh putain, les... Oh. Ah bah là, je pouvais rien faire, putain de bordel de merde. Bon, on l'a un petit peu volé celui-là, mais écoutez, si on vous demande... Oh. Eh ben, si on vous demande, vous me cassez pas les couilles. Oui, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Ah putain. Toujours le même sniper qui campe et qui fait que des bodies. C'est génial, c'est génial. Continue comme ça, t'as tout compris à la vie. Oh le scout, le scout. Ah merde, non, non, non. Allez, allez. Oh. Oh, ça a fait le bruit mais ça n'a pas enregistré le hit. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il avait que 16 HP! Mais le sniper il bougeait plus, j'ai rien compris! Ah putain, là j'ai rien quoi! Ah là je me suis fait arnaquer les gars, mais alors là un truc de fou putain! Oh j'ai rien compris! Et on a perdu! Voilà, et on a perdu! Putain, j'ai rien compris à la vie, sérieusement! J'ai rien compris à la vie, alors évidemment, le premier de la game et de leur équipe, c'est le sniper qui fait que spawn killer évidemment, hein! Parce que sinon ça serait pas marrant. Et malheureusement beaucoup de gens ont quitté au fil de la partie, j'ai l'impression. Et j'ai fait 23 points. J'ai fait 16 kills avec du coup le pistolet stock et le fan award. Voilà. Bah écoutez, le but c'était de finir dans le top 5 de la partie, ce que j'ai réussi à faire. Malheureusement, comme il n'y a plus beaucoup de monde dans la partie, je sais pas si on peut dire que le défi est vraiment réussi ou pas, parce que bon, finir dans le top 5 quand on est que 10, c'est pas non plus énorme. Mais bon, écoutez, c'était un petit défi, voilà, on va dire ça comme ça. Si jamais j'ai le temps, j'en ferai un deuxième cette semaine. Comme ça, ben, ça équilibre un peu la chose, parce que je pense que malheureusement cette vidéo va pas être très très grande, très très longue. En tout cas, merci à vous de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu malgré tout, et on se dit à très bientôt pour toujours plus de Team Fortress 2. Bye bye.